Alors ici, on a une liste de 15 nombres, donc c'est une série statistique. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de voir quelles sont les valeurs qu'on peut considérer comme des valeurs aberrantes. Alors quand on doit faire quelque chose comme ça, un bon réflexe, c'est déjà d'essayer de se représenter ces données-là. Donc là, je vais faire un diagramme à points. Et donc ici, tu vois, j'ai une droite graduée avec les nombres de 1 à 19. Je vois que ma plus petite valeur, c'est 1 et ma plus grande valeur, c'est 19, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors je vais placer des points correspondant à ces données. J'ai d'abord un 1 et un autre 1 ici. Donc j'ai deux 1. Voilà. Comme ça. Ensuite j'ai ce 6 qui est là. Donc j'ai un seul 6 que je vais mettre ici. Ensuite j'ai deux 13. Un 13 et un autre 13. Alors 10, 11, 12, 13 c'est là. J'en ai deux. Voilà. Ensuite, j'ai 14. Alors, 14, 1, 2, j'en ai 3. 3 hein. fois 14. Donc, je mets 3 points. Voilà. Ça, ce sont ces 14 qui sont là. Ensuite, j'ai 2, 15. Voilà. C'est ces deux-là. Je mets 2 points ici. Ensuite, j'ai un 16. Un 16 qui est celui-là. Voilà. Et puis... Là, j'ai un 18 et un autre 18, deux 18 qui sont ici 18. Je mets deux points là. Et puis enfin, j'ai ce 19 qui est là. Voilà. Voilà. Donc ça, ça, ça c'est intéressant de visualiser les données comme ça parce que ce qu'on peut se dire, c'est que a priori, la moyenne, la moyenne va être située quelque part dans cette zone-là, donc dans cette partie-là. Voilà. C'est là où se trouve la, la plupart de mes données. Et donc quand on voit ça, on se dit aussi que, voilà, on pourrait considérer les, les 1 comme des valeurs aberrantes, le 6 aussi, et ça serait assez raisonnable de, de se dire ça, mais ça serait tout aussi raisonnable de se dire, oui, les 2 sont des valeurs aberrantes, elles sont vraiment très, très loin de la moyenne, mais le 6, par contre, il n'est pas si loin que ça, donc euh, on ne va pas considérer ce 6 comme une valeur aberrante. Donc ça, c'est intéressant parce que ces deux points de vue-là sont tout à fait raisonnables a priori. Et donc tu vois que pour se mettre d'accord, les statisticiens sont obligés de se fixer un critère, un critère qui sera respecté par tout le monde pour juger si une valeur est aberrante ou non. Alors ce critère qu'on va utiliser ici, eh bien, il fait intervenir l'écart interquartile de la série. Donc les deux quartiles, le premier et le troisième quartile. Plus précisément, une valeur va être aberrante si elle est plus petite que le premier quartile, moins 1,5 fois l'écart interquartile, ou bien si elle est plus grande que le troisième quartile, plus 1,5 fois l'écart interquartile. Donc tu vois qu'on doit calculer la valeur 1,5 fois l'écart interquartile. Donc il faut calculer les quartiles Q1, Q3. Donc je vais commencer par calculer le premier quartile. Alors ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valeurs. 14 valeurs, donc 14 divisé par 4. Alors 14 divisé par 2 ça fait 7, il faut encore diviser par 2, ça fait 3,5. Donc Q1 c'est la quatrième valeur. La quatrième valeur, valeur c'est celle-ci, c'est un 13. Donc Q1, c'est cette valeur-là. Q1 est égal à 13. Voilà, ça c'est pour le premier quartile. Maintenant, on va calculer le troisième quartile, Q3. Alors, pour calculer le rang de Q3, eh bien, il faut regarder 3 quarts de, de l'effectif, enfin le nombre total de valeurs. Voilà, donc 3 fois 14 sur 4. Alors en fait ça fait 3 fois 7 divisé par 2, 3 fois 7 divisé par 2 ça fait 21 divisé par 2, ça fait 10,5 10,5. donc Q3, Q3 c'est la onzième valeur, la onzième valeur. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, ça c'est Q3, Q3 ici, et donc Q3 est égal à 16. Et donc ça, ça nous permet de calculer l'écart interquartile i, qui est égal à, donc à la différence q3 moins q1. Et donc c'est 16 moins 13, c'est égal à 3. Voilà, ça c'est l'écart interquartile. Et maintenant je vais écrire le critère que je t'ai énoncé tout à l'heure à l'oral pour déterminer si des valeurs sont aberrantes. On dit qu'une valeur est aberrante une valeur est aberrante si elle est soit plus petite que q1 moins 1,5 fois l'écart interquartile ou bien si elle est supérieure à q3 plus 1,5 fois l'écart interquartile. Alors dans notre cas, on n'a pas de valeur aberrante comme ici. Par contre, il faut qu'on regarde si on a des valeurs aberrantes ici, hein, de ce type-là. Alors, on va calculer q1 moins 1,5 fois i. Donc, q1, on a dit que c'était 13. Hein. C'est donc 13 moins 1,5 fois l'écart euh, interquartile i, qui est égal à 3. Alors 1,5 fois 3 ça fait 4,5. Donc ça c'est égal à 13 moins 4,5. 13 moins 4 ça fait 9. Moins, moins 0,5 encore ça fait 8,5. Donc dans notre cas, les valeurs aberrantes ce sont celles qui sont plus petites que 8,5. Et donc tu vois que ici ce sont ces valeurs-là. Ces trois valeurs-là. Et donc finalement ce qu'on pourrait faire c'est considérer seulement cette partie là de la série c'est à dire couper par exemple ici hein, comme ça et dans cette série de valeurs donc on a trois valeurs aberrantes inférieures à q1 moins 1,5 fois i mais aucune valeur aberrante supérieure à q3 plus 1,5 fois i alors ça je ne l'ai pas fait ici hein, mais tu pourras le vérifier facilement alors il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est de regarder quelle est la différence entre les diagrammes en boîte de la série totale, donc le diagramme en boîte que j'ai tracé ici, et puis le diagramme en boîte de la même série sans considérer les valeurs aberrantes. Alors on va le faire ici, donc je vais effacer ça, voilà, et puis je vais coller, alors voilà, déjà un premier, une première droite numérique sur laquelle je vais tracer le premier diagramme en boîte, puis je vais en prendre une deuxième copie, voilà, ici pour tracer le deuxième diagramme en boîte. Donc je vais déjà tracer ici le diagramme en boîte de la série complète, hein, celle qui est ici, donc en tenant compte des valeurs aberrantes. Alors j'ai déjà le minimum qui est ici, hein, ici, et puis le maximum qui est là, 19, voilà. Ensuite je vais placer le premier quartile, Q1, qui donc est égal à 13. Donc voilà, je vais faire un segment vertical ici, ça c'est Q1. Ensuite, je vais placer Q3, Q3 c'est 16, donc je vais placer, je vais faire un segment vertical ici. Ensuite, il faut bien sûr qu'on calcule la, la médiane. Donc la médiane ici on a 14 valeurs, c'est un nombre pair, on va prendre les deux valeurs centrales qui sont celles-là, là. Voilà. Et donc la médiane, c'est la moyenne de ces deux valeurs, qui sont toutes les deux égales à 14. Donc la médiane, c'est 14. Voilà, donc la médiane, je vais la faire ici. Voilà. Et maintenant, je peux tracer euh, la boîte. Voilà. Et du coup, le diagramme en boîte de la série complète, qui tient compte des valeurs aber aberrantes, le voilà, c'est ce diagramme. Alors, pour la deuxième boîte à moustaches, ce que je vais faire c'est considérer la série entière mais sans m'occuper des valeurs aberrantes. Donc en particulier, je ne vais changer ni l'écartile ni la médiane. Donc je peux commencer à faire ça. Je vais avoir donc le premier quartile qui sera ici. Voilà. La médiane qui sera ici. Et puis le troisième quartile qui sera ici. Voilà. Donc je peux tracer le, la boîte. Hein. Voilà, exactement la même qu'au-dessus. Ensuite, ici à droite, eh bien, je vais avoir exactement la même chose qu'au-dessus, c'est-à-dire que j'ai la valeur maximale qui est ici, et puis donc j'ai ce segment ici. Et puis de l'autre côté, en fait, la valeur minimale, du coup, je vais la considérer comme étant la plus petite des valeurs sans considérer les valeurs aberrantes. Donc ici, ça va être 13. Donc voilà finalement la boîte à moustaches qu'on obtient. Et bien sûr, il faut quand même qu'on note le fait qu'il y a des valeurs aberrantes. Et ça, on le fait en plaçant sur le diagramme les valeurs aberrantes qu'on a supprimées. Comme ça voilà donc ça c'est une deuxième boîte à moustaches dans laquelle on fait quand même apparaître les valeurs aberrantes mais on les fait apparaître d'une manière différente alors évidemment ça ne consiste pas à supprimer les valeurs aberrantes de la série puisque si tu fais ça si tu supprimes les trois valeurs aberrantes qu'on a identifiées ici eh bien évidemment le premier quartile la médiane et le troisième quartile seront différents Ici, ce n'est pas ce qu'on fait, on garde les mêmes indicateurs et on indique qu'il y a des valeurs aberrantes de cette manière-là. Et ça, c'est pour marquer le fait que les indicateurs qu'on a calculés sont calculés avec ces valeurs aberrantes qui sont notées ici.